ikaze kurohesemo gukena ibiganiro byacu kuri televiziyo y'Rwanda ngirwa ikaze ni Andrew Kariba angaduherere rero ibiganiro byacu byimukiye akaba ari muri village urugwiro agiye kubera ikiganiro n'abanyamakuru ikiganiro kigiye guhuza abakuru b'ibihugu bibiri igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umukuru w'igihugu cya Benin umukuru w'igihugu cya Benin rero bwana Patrice Talon umaze iminsi itatu mu gihugu cy'u Rwanda mu ruzinduko rw'akazi ya ikaba yarakiriwe na mugenzi w'u Rwanda ubwo yazaga ku munsi wa mbere ku kibuga cy'indege cya Kigali mpuzamahanga i Kanombe hanyuma yaho rero umukuru w'igihugu cya Benin akaba yaraje gusura rero urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi ruherereye ku Gisozi aho yababajwe rero n'ibyabereye mu Rwanda n'amahano u Rwanda rwaciyemo ariko by'umwihariko akaba nanone yarishimiye intambwe u Rwanda rumaze gutera mu kwibuka nyuma y'aya mahano umukuru w'igihugu rero cya Benin hamwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bakaba bariyemeje rero ubufatanye butajenjeka bwo guteza imbere abaturage b'ibihugu byombi nanone kugira ngo bigerweho nuko bizanyura rero mu buhahirane hagati y'ibihugu byombi aha ngaha buno buhahirane ahanini buzashobozwa n'ingendo zo mu kirere aha ngaha twavuga ku ruhande kuri Rwandeya aho Rwandeya izakora ingendo eshatu mu cyumweru muri iki gihugu cya Benin aha ngaha ni mu rwego kugira ngo bahahirane muri rusange nagari ibyo byonyine kuko umukuru w'igihugu cya Benin akaba yaragaragaje ko yamaze kugirana yamaze inyuma ya cabinet meeting yo mu gihugu cye baje gusuzuma ko igihugu cyabo nacyo gishobora kwemerera abanyafurika nabo kugira ngo bajye muri kino gihugu nta visa batanze ku rugero u Rwanda rero rwatanze muri Afurika hirya no hino akaba rero umukuru w'igihugu cya Benin nanone hejuru y'ibyo byose yatangaje ko yishimiye ibyemeze yo iri terambere ry'u Rwanda rimaze kugera bikesha ibi byose rimaze kunyuramo ntabwo ari ibyo byonyine koko bwana Talo yavuze ko atari Afurika atari ibivume agaragaza ko nyuma y'amahano yagwiririye u Rwanda abantu benshi bazi ko u Rwanda rero amwe n'ibihugu bya Afurika ari ibivume atari ko ubonye urugero rwiza u Rwanda rumaze kwibaka mu bigaragaza ko Afurika atari ivume ahubwo hari byinshi bagomba gukora hamwe akahanga baravuze ko usanga kenshi abanyafurika cyangwa se ibihugu bya Afurika bitagenderana cyangwa se bidasurana kugira ngo bamenye n'iki igihugu kimwe kirusha ikindi aho ugasanga bihutira kujya gusura Aziya ndetse no mu Burayi ahangaha bakaba bavuga ko rero bari bakwiye kumenya n'iki cyiza kiri mu gihugu kimwe bakigiraho ahangaha nanone umukuru w'igihugu cya Benin akaba yaje gusura rero RDB ndetse asura na Special Economic Zone mu rwego rwo kureba aho inganda z'u Rwanda zigeze akaba urwego rwiza rero yishimiye akadukira rero ikiganiro n'abanyamakuru kigiye gutangira mu kanya gato cyane RDB yarakubereye ni umwanya mutoya rero twabwiraga mu kanya rero gato yagashize hagiye kuba mwanya rero ikiganiro n'abanyamakuru abanyamakuru baturutse hirya no hino b'abanyamakuru bo mu Rwanda ndetse n'abo mu karere y'u Rwanda ruherereyemo ahangaha rero nabibutsa ko umukuru w'igihugu cya Benin akaba amaze iminsi itatu uruzinduko rw'iminsi itatu hano mu gihugu cy'u Rwanda ni byinshi rero yigiye mu Rwanda kugeza kuri ubu ngubu nkaba rero nshaka kubwira ko umwanya muto rero utarambiranye ko umukuru w'igihugu hamwe na mugenzi we wa Benin baza kuba rero batangiye kuganira cyangwa se kujyana ibiganiro n'abanyamakuru n'ibyinshi rero byagarutswe muri uru rugendo rero itangazamakuru ryakurikiranye umunsi ku wundi ahangaha tukaba tuvuga ko byaba mu bijyanye n'ubukungu mu bushyirarugendo twavuga ko ari byinshi cyane rero ibihugu byombi bigiye kuhungukira kandi kubera mugenzi wanjye rero Jean Pierre Kagabo n'umwe mu bantu bakurikiranye n'uruzinduko rw'umukuru w'igihugu cya Benin Kagabo umwiriwe ngire neza makuru salama uruzinduko kongera kugwira ku munsi wa mbere twari turi kumwe ku kibuga cy'indege bwo twakiraga umukuru w'igihugu cya Benin tugeze ku munsi wa gatatu uruzinduko aho agiye gusoza uru ruzinduko ariko umwanya mutoya abanyamakuru kubona ni benshi baranga icyo bategereje ahanini ni ikiganiro n'abanyamakuru ariko kiri bubanzirizwe rero nishyirwa ku mukono w'amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi katugerageze nk'abanyamakuru turebe dukubitinze ibipfunsi urabona amasezerano ahanini yaba agamije cyangwa se yakungura ibihugu byombi urakoze Andrew urebye yaranabivuze ubwo yakirwaga ku meza na mugenzi we w'u Rwanda avuga ko yaje mu Rwanda kwiga u Rwanda ni igihugu
kimuteye ishema giteye ishema Afrika aho umuntu yaza kuvana amasomo atandukanye urebye rero ahantu yasuye yasuye ikigo cy'igihugu cy'iterambere yasuye agace kareka hari nganda ndetse n'anduce utandukanye mu gihugu birakwereka yuko aya masezerano aza kubashingiye kufatanye cyane mu byanye iterambere ry'ubukungu nicyo ntekereza ko hanini aya masezerano baza gusinya aza kwibandaho ariko urumva ntabwo ubukungu cyangwa se ibijyanye n'ubucuruzi byazamo gusa bitubakiye ku bijyanye na politiki imibanire mu bya politiki ubufatanye butandukanye ndibaza ariko rero cyane cyane amasezerano ku giti cyanjye kurikije nibyo yatangaje ukurikije nuko tuzi Benedict twatuzi n'u Rwanda azabibakiye cyane cyane ku rujya n'uruza rw'abantu n'ibintu cyane cyane biganisha no ku bucuruzi anano nago twakwirengagiza ijambo umukuru w'igihugu cya Benya yagarutseho ubwo yakirwaga na mugenzi w'u Rwanda nko bivuze ku meza yagarutse ku kintu avuga ko ntabwo Afrika ari bivume ahantu benshi avuga ngo urugero rwiza ni u Rwanda niba u Rwanda rwaranyuze muri amacakubiri u Rwanda rwaranyuze mu icuraburindi jenoside yakorewe abatutsi ariko uno munsi u Rwanda rwarushaho kuba rwubatse ati ntabwo turivume rero iri jambo abanyafurika cyangwa se ibihugu bya Afurika bikwiye kwigira iki kuri iri jambo kumva ko tutishoboye nka Afurika nibyo ibyo yavuze binakubiye mu cyerekezo 2063 cya Afurika aho Afurika ishaka kuba umugabane ufite ijambo kandi wikemurira ibibazo urabyibuka yanabigarutseho avuga icyo bise cooperation sud sud iyo bavuga cooperation sud sud cyangwa south south cooperation no butwererane hagati y'ibihugu bya Afurika ariko burya kenshi bashyiramo n'ibihugu byo muri Aziya nufuye ko rero uko Afurika izwi umurage ifite yakoronijwe n'abanyaburayi umuntu w'umunyafurika gahora yumva yuko azambara inkweto zivuye mu Burayi ko umuntu w'urwera nabataba yavuze atazabaho iki niyo kintu gikomeye cyane kininjira mu bitekerezo ubona by'umukuru w'igihugu cyacu ahavuga kwigira ndetse no kwihesha agaciro haba ku banyarwanda ariko no ku banyafurika ni ikintu gikomeye rero nanjye aho ngaho nunze mu byo uvuze kagabo nanone bihagarutswe ku kintu kijyanye ahanini na no kubona ibihugu bya Afurika ubona kenshi abantu birukanira kujya mu Burayi na Aziya ugasanga ntago igihugu kimwe cya Afurika byibura kigiye gusura igihugu kigenzi cyacu byora ngo kikigireho urugero rwiza ni president Talo yatanze avuga ngo nkanje nafashe umwanya za mu Rwanda kwiga byari byose ugiye kureba nko mu nteko ishinga amategeko ku Rwanda kuriza kuri ubu ngubu n'indashikirwa ku isi atari ko dufashe umwanya tukajya mu gihugu kimwe cya Afurika tukajya mu kindi hari byinshi twakujya tugahayo kurusha uko twakwirirwa tujya mu mahanga aro twirukankira kubgaho irabona ibingibi hari cyo bivuze muri politiki birumvikana munyemerere twakire kuri igihugu ndetse na mugenzi we ikiganiro nyuma ko kikabagira tangiye Your Excellency Mr. President Kagame, Son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, distingués invités, bienvenue encore une fois dans ce pays qui a eu l'honneur de vous accueillir les trois derniers jours. Messieurs les Présidents, nous avons ici réunis les membres de la presse nationale, régionale et internationale. Avec votre permission, nous commencerons par la signature des accords bilatéraux qui, comme vous l'avez si bien dit, Monsieur le Président, permettront de démontrer la coopération Sud-Sud à travers des actions concrètes. La coopération convenue entre les deux pays porte sur de multiples domaines, entre autres sur la promotion des investissements, des échanges du savoir-faire, et dans le domaine touristique et la facilitation de la libre circulation des biens et des personnes, la liaison aérienne entre Kigali et Cotonou, la collaboration dans le domaine des textiles et bien d'autres. Un communiqué conjoint sera disponible pré-distribué à la presse. We now invite the Ministers of Foreign Affairs of Rwanda and Benin to now sign the cooperation agreements.
Merci. Nous invitons Monsieur le Président sur le podium pour délivrer vos discours. Monsieur le Président. Sorry. And I invite Your Excellency, Mr. President Kagame, to deliver your remarks. Excellency, President Patrice Talon, President of the Republic of Benin, government leaders from Benin and from Rwanda, distinguished ladies and gentlemen, good afternoon. I'll make a very brief statement in as far as we have the honor and pleasure to welcome President Patrice Talon to Rwanda. I'm just repeating this for the pleasure we have to have the President here. And I want to thank you, Mr. President, for this visit. And through you, I wish to extend our warm wishes to the government and the people of Benin. President, I have discussed many issues of mutual interest for our two countries, based on a shared desire for closer bilateral relations. The signing of the General Cooperation Agreement we have just witnessed reaffirms this commitment. And we look forward to strengthening our friendship with Benin and working more closely to increase opportunities for our citizens and advance integration on our continent more generally. Mr. President, thank you once again for taking the time to not only visit us here in the capital, but also to visit some parts of our country. Your keen interest in Rwanda's story honors us and also challenges us to do even better going forward. There is no better way to do so than by sharing experiences and ideas with our brothers and sisters, not only of Benin, but also the entire continent. May I now invite you, President, to give the remarks as you wish before we take questions from the press. Thank you very much. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers frères, Monsieur les membres du gouvernement rwandais, chers amis, chers frères et sœurs, je voudrais avant tout exprimer ma gratitude à l'endroit du président, de ses collaborateurs et du peuple frère du Rwanda tout entier pour l'accueil qui m'a été réservé à moi-même, à ma délégation, et à travers nous, au peuple frère du Bénin. Nous avons été très sensibles aux nombreuses marques de délicatesse dont nous avons été l'objet. Et nous voudrions remercier le peuple rwandais tout entier pour cela. Nous avons eu l'occasion de travailler intensément pendant ces deux jours, aussi bien avec
les membres du gouvernement et des diverses institutions qui gèrent le développement de ce pays, mais également avec les autorités décentralisées. Puisque nous sommes allés sur le terrain pour donner un sens concret à notre volonté de coopérer sur tous les plans. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour les remercier également, ces collaborateurs du terrain, qui nous ont émerveillés par la qualité de ce qui se passe sur le terrain. Notre visite se termine par un accord de coopération qui vient d'être signé et qui matérialise notre volonté de coopérer et de donner un contenu réel, visible, à la coopération Sud-Sud. Il n'y a pas de doute que la concrétisation de cet accord se révélera très vite à nos deux populations, d'autant que sur le terrain du numérique, qui pour nous au Bénin fait partie de notre défi majeur pour les semaines, les mois à venir, que dans ce domaine, les échanges entre le Rwanda et le Bénin seront d'une efficacité remarquable, d'autant que ce pays a fait du chemin en cette matière. J'aime bien dire, pour caricaturer la pertinence de la coopération dans ce domaine, que ce sera pour nous presque du prêt-à-porter. Il n'y aura juste à faire quelques retouches parce que le modèle du développement du numérique dans le pays entier, notamment au niveau du gouvernement, des services administratifs et de tous les services associés, vous avez eu le temps d'éprouver le dispositif et de le parfaire. Nous allons pouvoir bénéficier de votre expérience dans le domaine et cela est un domaine donc concret de la coopération entre nos deux pays. Nous avons évoqué beaucoup d'autres domaines que le président a évoqué tout à l'heure, que les domaines dans lesquels il n'y a plus de doute pour personne que c'est du concret. Tout à l'heure, la présentatrice les a énumérés dans le domaine de l'industrie du textile, dans le domaine du tourisme. Nous avons la volonté de donner un contenu concret là également à la coopération. Le Bénin est un producteur de coton. Le Bénin peut fournir de la fibre pour les industries textiles qui vont se développer ici. Le Bénin est un pays qui a beaucoup de patrimoine touristique, comme je l'ai constaté également à Rwanda parce que je n'ai pas connu le pays. C'est un domaine dans lequel nous pourrions promouvoir le tourisme. Il est malheureux de constater, Monsieur le Président et chers frères et sœurs, que dans nos régions africaines, que sur notre continent, ce sont les échanges commerciaux, administratifs et politiques qui justifient les mouvements de personnes, surtout quand les pays ne sont pas frontaliers. Or, nos pays regorgent d'intérêts touristiques et de plaisirs. Nous avons décidé que dans ce domaine, nos deux gouvernements vont agir pour promouvoir l'échange touristique, de sorte que dans la région est-africaine, le Rwanda soit le point focal et que en Afrique de l'Ouest, le Bénin soit également le point focal pour dynamiser les échanges de plaisir, entre les plaisirs de découverte entre nos deux régions africaines. Monsieur le Président, je voudrais personnellement vous remercier pour l'attention que vous avez eue à mon endroit, tout particulièrement. Je me suis senti ici au Rwanda comme chez moi. J'ai hâte de vous voir au Bénin.
Pour que le peuple béninois puisse vous témoigner sa reconnaissance et son admiration. J'aime bien dire que le leadership du Rwanda va impacter l'Afrique. Un peu comme votre leadership impacte les dirigeants africains du temps actuel. Monsieur le Président, je vais partir dans quelques heures. Je pars avec une partie du Rwanda dans mon cœur. J'aurais bien voulu partir avec tout le Rwanda dans mon cœur. Mais je vais chez moi où m'attendent les réalités du développement. Chers collaborateurs du président, nous avons passé des heures ensemble depuis avant-hier. Nous avons fraternisé. Je pars en gardant le souvenir que quelque chose est en train de naître ici. Je voudrais vous remercier également. Et remercier la presse ici présente pour immortaliser ces instants et savoir transmettre à nos populations réciproques l'intérêt, la pertinence de la coopération Sud-Sud. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Thank you, Your Excellencies. We will now begin with questions from the press. If you could please say your name and the name of your media house. Albert. Albert Boudet Simburgo, Contact TV, Contact FM. A question, two presidents, two questions. The first one is, Benin today is chair of the African Caucus in relationship with the Bretton Woods organizations. World Bank is getting eventually a new boss. What is your point of view as African on that? Secondly, particularly for President Baptiste Talon, quand est venu le spark, l'étincelle qui a fait que vous avez eu ce début de relation? Merci. So, World Bank, what is your position on the next chapter as Africa? And then, yes, this one. Well, I'm glad you've also mentioned that Benin is involved or implicated in the setup and the management in some way to do with the Bretton Woods institutions and the World Bank as well in particular. And as you have said, the term has ended, the first one for the current president, but he can serve the second term if nominated, and which has happened by the United States, which normally does that. That is one hurdle put aside. The second is the quality of the person maybe you're talking about to be able to continue leading the bank as he has been doing so in the past years of the first term. From my own experience and perspective, as well as that of the country of Rwanda, and seeing it in a broad sense, the bank in general has done a tremendous job it was established for, especially as relates to development, which our countries are mainly concerned with. And in particular, this president, Dr. Jim Kim, who has been leading it for this first mandate,
has a terrific background in development matters and has also demonstrated the capability to put that background well into action and implementation of what needs to be done in the past years. When it comes to development, he's a development person. He's been there for a long time, even before he went to the World Bank, because I know him before he became the president of the World Bank. And he was one of the co-founders of Partners in Health, if you have heard of that, which has been very central in matters of health and in the area of development as well as it relates to health, the contributions of that. So with that, and at a personal level, also at that level of institution and in broad sense of development, I rate Dr. Jim Kim very highly, a capable person, and also with a passion to actually do the work that needs to be done for the bank and its activities relating to development, which concern us as developing countries in particular. So by that you can understand that he has our full endorsement. Yes, meaning the endorsement of Rwanda, first of all, but with the discussion I have had with the president, which he will be able to mention himself, I think the opinion may not be different from that one that I have. So thank you, and Mr. President, you're welcome. Oui, en effet, comme l'a dit le président Kagame, le président actuel a donné la preuve de sa volonté, de sa compétence pour que le développement soit réellement une préoccupation de la Banque mondiale, dont c'est l'objet principal. Et pour nous, pays africains qui sommes, notamment pour le Bénin, qui est un pays qui bénéficie beaucoup de l'appui de l'accompagnement de la Banque mondiale, une telle personnalité mérite notre confiance. Il est candidat à sa succession. Les opinions les plus déterminantes en cette matière ne sont pas opposées à sa reconduction. Et donc c'est pour nous l'opportunité d'exprimer notre soutien à sa candidature, d'autant qu'il a donné les preuves qu'il est un bon partenaire pour nous. Je pense qu'il n'y aura pas d'obstacle à sa reconduction. Dans tous les cas, j'ai évoqué la question tout à l'heure avec le président Kagame, qui m'a poser la question de manière très franche, ma réponse a été sans détour. Et nous avons constaté tous les deux que nous avons une convergence de point de vue en ce qui concerne donc sa reconduction. Nous allons le soutenir ouvertement. Votre question me concernant particulièrement, parce que c'est par rapport à la relation avec le président. Vous avez dit l'étincelle est venue à quel moment? Je ne saurais vous le dire. Toujours est-il qu'au fil du temps, bien avant, bien longtemps, avant que je ne sois candidat puis président du Bénin, j'avais une admiration personnelle toute particulière pour le président Kagame. Je ne vais pas évoquer mon sentiment personnel face à l'homme lui-même, dans sa nature, dans son physique, dans son être, dans son charme. Je ne vais pas l'évoquer, parce que cela ne concerne que moi-même personnellement. Ce qui nous concerne dans ma charge, qu'est-ce qui peut avoir un intérêt pour moi dans ma charge actuelle ou un autre homme? C'est ce qui est relatif à
à l'action, à la construction, au développement, à la gouvernance. Donc c'est ce qui vous intéresse. Sur ce plan, il n'y a rien à démontrer, il n'y a pas de pudeur à dire que le modèle qu'est le Rwanda aujourd'hui n'a pu se faire sans le président Kagame. Vous savez tous très bien que le Rwanda est un modèle en matière de développement, en matière de progrès, en matière de gouvernance. Ce à quoi nos peuples aspirent profondément. Et c'est bien pour ça que moi qui proviens du secteur privé, où ce qui compte, ce sont les résultats. Quand on a l'occasion d'observer de loin quelqu'un qui est le symbole de résultats, on a envie de le connaître. On a envie de l'approcher. On a envie de capter cette énergie qui transforme tant. Bien pour ça que le Rwanda a été le deuxième pays auprès de qui j'effectue une visite officielle. Après la tradition de mon pays qui est que le président élu effectue sa première visite officielle au Nigeria. J'ai satisfait à cette obligation. C'est avec plaisir que je suis venu aussi au Rwanda pour effectuer la première visite officielle. J'ai déjà rencontré le président Kagame pendant les sommets. Mais ce n'était pas suffisant. Donc, je vous ai donné l'histoire, l'historique de mes sentiments, sans pouvoir vous dire à quel moment il y a eu la flamme. Merci, Monsieur le Président. Sandra? Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Sandra Idossou. Je pense que je suis même l'exemple de cette vision de voir le Bénin et le Rwanda ensemble ici, parce que je suis béninoise, mais je travaille au Rwanda depuis 8 ans. Je travaille sur tout ce qui est qualité de service. J'ai deux questions. Une question pour vous, Monsieur Talon, et then I have a question for you, Mr. Kagame. Pour vous, le président Talon, étant béninoise, je sais, même si je ne vis plus au Bénin, je connais les réalités du Bénin. Je sais comment il est difficile d'amener nos populations à faire certaines choses. Et ma première question est de savoir quel délai vous vous donnez et comment est-ce que vous pensez pouvoir amener la population à suivre cette vision, parce que j'imagine que quand on vient du Rwanda, on est frappé par la propreté, la sécurité, tout ce qui se passe de bien ici que vous avez envie de mettre en place au Bénin. Comment comptez-vous amener la population à vous suivre dans cette démarche? Donc ça, c'est ma question pour vous. And for President Kagame, my question is, we've seen a lot of African heads of state coming here. We've been talking about cooperation South-South, and we know that most of them understand the need of doing business together. My question now is, how, after the president's visit here, how are they able to put into, to have real actions? For instance, in Brazzaville, I know the president of Brazzaville was here some time ago, and we had these same discussions. They were interested in promoting intra-trade Africa. But again, in Brazzaville, for instance, we still have to buy goods that come from France. We don't have the yogurt, the fruits, everything that we eat in Brazzaville comes from France. It doesn't come from, you know, Yang, it doesn't come there. So the question now is, how are we able to make sure that after these discussions, in real actions, we're really able to see goods from Rwanda in these countries? Thank you. Madame Idohou, j'ai eu le plaisir de vous voir ici à Kigali, avant-hier. Et je me suis rappelé que vous avez été ma collaboratrice. Vous avez travaillé dans l'une de mes entreprises il y a 22 ans. Bien longtemps. 22 ans, je crois, environ, dans les années 94 ou 95, 96. Plus de 20 ans déjà. Et j'ai vu combien vous êtes épanouis ici. Vous savez,
aucun peuple n'est réfractaire au bien. Aucun peuple n'est réfractaire au progrès, à un mieux-être. Il n'y a pas de raison que le peuple béninois ne veuille pas progresser, refuse ce qui est bien. Le problème de nos pays, c'est la gouvernance, c'est l'exemple que donnent les gouvernants. Il n'y a pas de miracle, il n'y a rien d'extraordinaire à faire pour dupliquer, pour implanter quelque chose qui concourt au bien-être, au progrès. Il faut avoir soi-même une bonne vision. Il faut avoir soi-même la compétence ou avoir la compétence de trouver les gens compétents pour mettre en œuvre ce qu'on ne sait pas faire soi-même. Et il faut donner le bon exemple pour susciter la crédibilité. Quand on croit en vous, quand vous donnez le bon exemple, même parfois quand on n'a pas compris, on vous suit. Vous admirez le modèle rwandais, mais je ne suis pas si sûr qu'au quotidien, tous les Rwandais comprennent à l'instant même le bien fondé des décisions. Il n'y a nulle part au monde où le peuple entier comprend spontanément, partage spontanément avec les dirigeants la pertinence des décisions. Donc il n'est pas nécessaire que du jour au lendemain, tout le peuple béninois comprenne immédiatement le bien fondé de ce que nous allons vouloir, de ce que nous sommes en train de faire. Mais avec la détermination qu'il a, vous me connaissez, vous êtes un homme déterminé. Avec la détermination, ce qui est bien peut être recommandé, peut être mis en place et peut entraîner l'opinion à rentrer dans la dynamique, peut entraîner l'opinion à suivre. C'est bien pour ça que j'ai la conviction que ce que nous avons commencé à faire au Bénin, c'est parce que je pense que vous suivez quand même un peu ce qui se passe dans votre pays. Depuis le départ, vous avez dû comprendre qu'il y a des décisions difficiles, qu'il y a des choses qui ont été, que nous avons pu être réalisées il y a 15-20 ans. Personnellement, disait, M. Talon ne parviendra pas à le faire, le président ne le fera pas. J'ai osé, j'ai fait. Il y a eu quelques remous, mais quelques jours après, j'ai été félicité. Vous savez de quoi je parle? La désignation des chefs-lieux des nouveaux. Alors, sans perdre trop de temps dessus, parce que c'est une question qui nous concerne tous les deux, je ne vais pas ennuyer mes autres hôtes de cette question-là, à cette question. Mais pour conclure, je vous dirai tout simplement que la volonté est l'arme fatale pour agir. Merci. Let me start to answer my part of the question by saying that if we go a little bit back in history and remember where I have been 22 years ago and where we are now, the story is very clear that all these challenges we face as Rwandans, as Africans in other countries, are not insurmountable. It means they can be overcome. It means different challenges can be resolved, can be addressed. Just by that history, seeing the picture of Rwanda. And changing the situation, change does not just come about. People have to do something about it. And one way we have brought the modest change we have brought to the country is by learning from others
as well as trying to do things from within our own means and study of the problem we have before us. So for the visitors we get here, whether they are heads of state or other leaders in different areas, public or private, when they have come here, all we do, and also what they want us to do together, is to share the story from the tragic situation of 22 years ago to the present, where we have assembled and put together things that can take us to another level in terms of development. And all this, as we share that, does not mean everything will work for everybody. But certainly everything will have its own lessons one way or the other. And in fact, we ourselves have gone places to study, to see how people have been overcoming their own challenges. And we bring back what we have studied to see what may work for us and continue moving forward. So asking me what the others who have shared with us go back and do is in a way unfair, because I'm not responsible for that. If you ask me what I have studied somewhere else and how I have applied here, I can explain. Or I can explain how I have failed. But I can't do it in the reverse order. But much as you've given the example of what, say, has happened in Brazzaville or has not happened, but certainly some things have happened. In fact, there is already a level of cooperation that is happening between us and Congo-Brazzaville in terms of doing business. We haven't covered all the ground to, for example, make sense of what you've just said. I always ask myself that question. I'm sure those in Congo-Brazzaville ask themselves that question. And in many other parts of our continent, certainly it happens like that. Why would they have to have so many things from so far away that may even be expensive, when they could have better and more from a neighbor or something? And that's a problem that seems to cover the whole continent. For example, when you have heard of people not being able to move from one country to a neighbor, and yet it is easy for people from 10,000 kilometers to come and just find a red carpet waiting for them. Of course, it's a problem. It's a mentality problem. It's a problem of implementing some of the things we understand should be done. But that is very common across the continent. There are still challenges to overcome in that. There is still work in progress. And so, but your question raises a very interesting element. It's not only the element of saying, why does it happen like this, and when should it be happening like that? I think it also raises a question on, even when we are doing things right, why don't we accelerate that? The pace at which we are moving is also raised, I guess, in the question you raised. But this is something we need to keep mobilizing our people, all levels, leaders, citizens. In fact, I was going to say unfortunately, but I can also say fortunately. Actually, our citizens seem to be ahead of us. For them, they know some of the things we need to be doing, and they want that done, and sometimes we, the leaders, are the ones who put brakes on the process for one reason or another. I won't go into detail on that, but
I think you understand what I'm saying, but we are making good progress. We want to make more, and I think more progress. And I think your point is that of a sense of urgency, that we need to move faster probably than we are moving. So with continuing to raise such questions and participating and other levels, putting pressure on the system to deliver, I think we can get to where we want to be. We'll take two more questions with your permission, Stephanie. Bonjour, Stéphanie Agliati pour l'AFP et RFI. Je vais me poser ma question s'adresse au président Patrice Talon. Alors, vous avez salué le leadership du Rwanda, leadership du président Kagame, et vous avez dit que le Rwanda était un modèle à suivre. Donc réputé efficace. Est-ce que, au niveau politique, vous êtes partisan, je vois dans votre pays, vous êtes partisan d'une réforme instaurant le mandat unique pour le président de la République? Ici, au Rwanda, c'est différent. Il y a une autre réforme ouvrant la voie à un éventuel troisième mandat pour le président Kagame. Voilà. Alors, est-ce que le modèle rwandais s'arrête à l'économie pour vous? And to be fair, Mr. Kagame, what do you think about the model of Benin, which is called sometimes a political model, the laboratory of democracy? Thank you. Merci. C'est une question à laquelle je vais répondre sans pudeur. Les communautés humaines, les peuples, quelle que soit l'époque ou la région, sont confrontés à des problèmes existentiels, problèmes matériels, problèmes d'organisation. Il est établi que c'est le contexte, c'est l'histoire, ce sont les besoins des peuples, des communautés humaines qui fondent la loi. Je vais répéter ma réponse. Les communautés humaines, l'homme, qui n'est pas un animal, qui est un animal pensant, quelle que soit l'époque, quelle que soit la région, c'est son histoire. C'est le contexte dans lequel il vit. Le moment où il a besoin de prendre les lois, ce sont ces besoins qui déterminent la pertinence et le choix des lois qui organisent la cité, qui organisent donc la vie ensemble. Ce qui est pertinent aujourd'hui au Bénin n'est pas forcément pertinent en Chine aujourd'hui, n'est pas forcément pertinent en Libye aujourd'hui, n'est pas forcément pertinent en Espagne aujourd'hui, n'est pas forcément pertinent au Rwanda aujourd'hui. Les lois qui organisent la cité, la loi fondamentale, la constitution, est fonction d'un ensemble de paramètres qui fait qu'à chaque instant, les personnes les plus éclairées observent et proposent les réformes. L'essentiel est que la réforme soit destinée au bien-être, soit destinée à une vie harmonieuse dans la cité. Quand on perce là de vue, pour ce point de vue-là, et qu'on a des schémas stéréotypés qu'on veut imposer au monde entier, partout, on peut créer de la catastrophe. Nous sommes actuellement confrontés à quelque chose en Afrique. Vous savez que certains pays ont été démantelés au bénéfice, je ne sais pas si je dis au bénéfice d'une pensée ou d'un intérêt ou d'un modèle, mais aujourd'hui, ça nous crée tellement de dommages pour la vie tranquille que chaque fois, avant de prendre une décision, avant de vouloir imposer un modèle à une communauté,
Il faut avoir l'humilité de tenir compte des paramètres que j'ai évoqués tantôt. C'est bien pour cela, madame, que le Bénin a fait une conférence des forces vives de la nation en 90. Nous avons prôné un modèle. Puis, des décennies après, j'expose qu'il convient que le modèle soit amendé parce qu'il génère de la perversion. Et j'ai justifié, si vous m'avez souvent écouté, que la réforme que je propose est destinée à répondre à une préoccupation particulière, à répondre à quelque chose de précis, qui est que, malheureusement, dans mon pays aujourd'hui, la volonté de s'éterniser au pouvoir génère un clientélisme absolu, génère une mauvaise gouvernance, de sorte que la vie n'est plus structurée. Si vous connaissez un peu le Bénin, vous allez comprendre ce que je dis. Et l'une des solutions que je propose pour inverser le côté pervers de notre modèle est de ne plus permettre à ceux qui ont la charge pendant un temps d'être omnibulés par la volonté de revenir. J'ai dit lors d'une de mes conférences de presse que ce que je veux enlever, ce que je souhaite enlever, ce à quoi j'appelle mes concitoyens à réfléchir, c'est la notion au Bénin de renouvellement. Et j'ai dit que le mandat peut être de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe. Mais il ne faut pas que quand quelqu'un est élu un jour au Bénin, dès l'instant où il prête serment, tout ce qui le préoccupe, tous les paramètres de décision, de gouvernance, c'est comment faire pour être réélu, exclusivement. Et cela est contraire à la bonne gouvernance, est contraire à la rigueur, à la bonne gestion, à l'implémentation de ce qu'il faut pour le progrès. Je vous surprends. Thank you, President. But let me. Je vais dire un petit mot et puis vous allez continuer. Je vous surprends. Vous savez, je viens du secteur de l'économie. Je n'ai pas les codes de la diplomatie, du politiquement correct. Et je ne vais pas changer. J'ai dit, lors d'une conférence, que le Bénin est arrivé à un stade où la monarchie est meilleure au modèle qui était dans mon pays. C'est une caricature. C'est pour ça que j'ai dit, il faut que je réforme le modèle, parce que la démocratie et l'organisation de la cité est complexe. J'ai fini, Monsieur le Président. Thank you, President. If you may, let me invite myself to answer the question as well. First of all, when I answered one of the questions earlier on and talked about sharing, learning from each other, and more importantly, the fact that what has worked for us may not work for you. What has worked for you may not work for us. But there is always going to be a common ground on which we can learn from each other and work together and move forward. So, but that also meant that the very point very important point you raised, Mr. President, it is an issue of context. So when the lady raised the question, which is typical, I've had that kind of question for so many years. And it doesn't matter what answers you give, they keep coming back to it. But we also understand this world we live in, that's how it works. But let me briefly say that even by the news
media she says she represents. I can understand there is more behind it to do with Europe than with Africa. But in Europe, I don't think she would tell us that. What has worked in one country in Europe is what works in another country. There are countries in Europe where leaders go for more than three mandates. She knows that. There are more of those than those that just go for two or for one. Well, they go for one, maybe they lose the second. That's another issue. But others continue the third, the fourth, the fifth. So I always wonder whether this means even the one asking the question feels that there is entitlement of a certain kind for the people or countries where she comes from that is different from countries in Africa. Mm-hmm. Because if we understand that there is a context, there are circumstances, there are things that shape how people organize and govern themselves. If people understood that, then there should not be such a question every day. So I wish those people may learn lessons as we try to ourselves. Maybe they would give us a break and but if that is what dominates their job, then I have no quarrel with that. But one thing is sure. We Rwandans, and I think it's what many other Africans feel. We really want to govern ourselves. And governing ourselves properly and well isn't going to be a gift given to us by people from outside, absolutely not. Because we have seen also recently that such people are actually struggling. I don't know how they even stand up to argue issues of governance. They're having serious problems. And if you govern a country of 60 million people on a mandate where only 12% support you, and you want me to emulate that, there must be something terribly wrong. If you want to tell me that this is how democracy works, that I should follow, then I will definitely always differ from that. Thank you. Thank you, Mr. President. We're going to take one last question from Colin. Thank you very much. My name is Colin Simwai. I write for the New Times Daily. It's a Rwandan English daily. Earlier in July this year, during the African Union Summit, Mr. President, you took on the role to spearhead and oversee the restructuring of the African Union. And this comes at times when the African Union has come under fire at times for not having the right, for not being as effective as most Africans hope it would be. So maybe what are you doing in the process of restructuring, and how can we envision that the African Union will look like after the restructuring process? Thank you. Well, first of all, there is a need for restructuring, and I think that's what Africa wants, and that's what it has demanded, and that's what we expect, so that we bring in more unity, more efficiency, and more productivity in our institutions to serve Africa well, the way Africa wants.
So we've just started. We're just at the beginning. So it would be difficult to give you a report. But we are started. We're organizing. We're organizing, starting with the people who will help us put together ideas, and also from different countries. We want leaders of different countries of Africa to make input in this. For us, our job will really be to build on the wishes and bring in new dynamism as to how we can run our businesses together for more productivity and a quick delivery of what we need to give to our people. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Monsieur le Président, ceci marque la fin de la conférence de presse. Nous vous souhaitons un très bon voyage et un très bon retour dans notre pays qui est désormais aussi le vôtre. Bon Merci. Voyage, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Ngira ngo rero uko mwabikurikiranaga kuri televiziyo y'u Rwanda ikigero n'abanyamakuru cyaberaga hanga muri village urugwiro kikaba gihumuje aho rero abanyamakuru babazaga ibibazo byinshi bitandukanye mbibutsa ko imwe mu byagarutsweho muri iki kiganiro n'abanyamakuru harimo byinshi ahangaha twavuga ko habanje gushyirwa umukono ku masezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi ahangaha tukavuga ko aya masezerano akubiyemo ibintu bigera kuri bitanu icya mbere navuga harimo nko guteza imbere ishoramari harimo nanone guhanahana ubumenyi hagati y'ibihugu byombi ntabwo ari ibyo byonyine kuko muri aya masezerano y'ubufatanye yashyizweho umukono harimo nanone ubukerarugendo ko ni kimwe mu bintu bigomba gushyirwamo nanone ingufu hagati y'ibihugu byombi ahangaha tukavuga ibijyanye n'inganda zikora imyenda yaba mu gihugu hari mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko uno munsi igihugu cya kigihugu kigungahaye cyane cyane ibijyanye n'ipamba ari ku Rwanda rwo rukene none guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda bivuze ko ipamba ikorerwa muri iki gihugu izajya yoherezwa mu Rwanda kugira ngo inganda zo mu Rwanda zo zibashe gukora imyenda nanone izajya ikoreshwa mu gihugu ndetse n'ahandi hirya no hino muri Afurika none umukono wa amasezerano y'umukono bashyizeho umukono uno munsi nanone harimo ibijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu ndege hangana ya sosiyete ya Rwanda yatwavugaga izajya ikora izi ngendo mu bihugu byombi nanone ijambo ry'ubukuru y'igihugu yagarutse ko ibiganiro abakuru b'igihugu bagiranye bombi harimo ibijyanye n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi ariko bigamije guteza imbere by'umwihariko abene igihugu babiri bihugu byombi nanone bakaba bagarutse ku bijyanye no gushimira perezida wa Benin ko yasuye u Rwanda atuma umwanya yafashe akaza mu Rwanda umukuru w'igihugu akaba yamushimiye cyane akaba yamushimiye nanone ko yagize umwanya we agasura nanone ibindi bice bigize igihugu cyacu nanone akaba yamwizeje ko bazakomeza rero ubufatanye mu guteza imbere ubukungu cyangwa se guteza imbere ibihugu byombi mu ijambo rye rero umukuru w'igihugu cya Benin Bwana Patrice akaba nanone yavuze ko ari amahirwe yagize kugira ngo aze mu gihugu atari ku mwanya munini twamaze tutaruhuka tuganira uko tureba uko twakwiga kuri iki twakugira ku Rwanda ahangaha akaba yavuze ko muri ibiganiro twagize bagiriye muri iki gihugu cy'u Rwanda n'abaminisitiri batandukanye ati rero byagize umusaruro kuri we ati agiye gusubira mu gihugu cye ntabwo ari bubashe kuryama ko ubu ngubu afite umukogoro munini cyane wo kugira ngo arebe ibyo yagiye mu Rwanda ko yabasha kubigeza ku bene gihugu nanone akaba yishimiye nanone gusura bimwe mu bice bigize ikintu gihugu cyacu akaba avuga ko nanone umusaruro rero uzagaragarira vuba abene gihugu ba Bene akaba avuga ko rero uno munsi byinshi bigiye muri kino gihugu ahubwo abaturage ba Bene rwose bahishiwe byinshi ko mu gihe gitoya rwose bazatangira rero kubona ibyiza bakuye mu Rwanda
nanone akaba yavuze ko bitezeho gushyira rero mu bikorwa ibyo bigiye mu Rwanda nanone akavuga ikintu nanone yagarutseho mukuru w'igihugu cya Benin akaba yavuze ko aguteza imbere inganda zo mu bihugu byombi ari kimwe kizibandwaho cyane cyane akaba nanone yagarutse ku kintu gikomeye cyane avuga ngo ubukerarugendo muri East African Community barifuza ko u Rwanda ari urwaba intangarugero aho ibihugu byo byinshi byamo Burayi bajya baza muri East Africa avuga ngo u Rwanda niho dushobora kujya mu bukerarugendo nanone bijyanye muri East Africa bikifuza ko Benin nanone cyaba igihugu cy'intangarugero ni byinshi rero byagarutsweho ariko mu gusoza umukuru w'igihugu cya Benin akaba yavuze ko imiyoborere myiza y'u Rwanda nicyo kintu cya mbere niryo zingiro ry'iterambere akavuga ko ni byinshi rero bishobora kugerwaho mu gihe wabaye imiyoborere myiza ingibi akaba bikanguye n'abandi bose avuga ko niwo musingi mu gihe wabaye imiyoborere myiza nta na kimwe rero cyananira iterambere kugerwaho munyemerero duhinira aha ngaha kuko ikigali abanyamakuru urugendo rw'iminsi itatu uruzinduko rw'akazi rw'umukuru w'igihugu cya Benin bwana Patrice Atalon amaze iminsi hano mu Rwanda rukaba rusoreje aha ngaha umwanya mutoya rero gahunda zacu za televiziyo Rwanda zirakomeje mwakoze kubana natwe mukomeze munogerwe n'ibindi biganiro byose tubateguriye mwari kumwe na Andrew Kareba.